Hola, les gens de YouTube. Je parle souvent sur cette chaîne YouTube de multipotentialité, tu n'es pas sans savoir. Cependant, j'ai eu beaucoup de questions de personnes sur Instagram ou sur Facebook qui me disaient « Ok, mais Alban, comment on sait qu'on est multipotentiel ?» Et effectivement, c'est une très bonne question. Pour que tu puisses voir par toi-même si tu es multipotentiel ou pas et à quel degré et ta multipotentialité. Est-ce que cette phrase a un sens? Je ne suis pas sûre. J'ai réalisé un petit test que tu vas pouvoir faire derrière ton écran. Tu vas noter toutes les questions, tu vas noter ta réponse. Et ensemble, on va découvrir à quel point tu es multipotentiel. Alors, la première question, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Réponse A, tu sais déjà précisément tout ce que tu dois faire dans ta journée et tu y vas tâche après tâche, au fur et à mesure. En général, tu fais pas beaucoup de choses, mais une fois que t'arrives à la journée, t'as fait tout ce que t'avais à faire et t'es content. Réponse B, tu sais précisément ce que t'as à faire et tu fais les choses, mais t'es assez souvent distrait, t'es pas à l'abri d'aller sur ton téléphone alors que tu dois faire tes devoirs ou de regarder une vidéo pendant que tu fais la cuisine, par exemple. Réponse C, tu démarres ta journée avec un emploi du temps qui est composé à 80% de choses que t'avais pas du tout prévues. En général, tu démarres ton emploi du temps, il n'y a pas grand-chose dessus. Et en fait, tu finis ta journée, t'as fait plein de choses. T'as fait ce qui était prévu sur emploi du temps, mais t'as fait beaucoup plus que ça. Et réponse D, tu veux faire 3 milliards de choses en même temps, et tu fais d'ailleurs 3 milliards de choses en même temps, et t'arrives à la fin de la journée, t'es complètement épuisé, t'en peux plus. Et bah t'es quand même pas très fier de toi parce que t'as démarré plein de choses mais t'as rien fini. Et t'as un peu le sentiment d'avoir pédalé dans la choucroute et de pas avoir fait grand chose. Question numéro 2. Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, réponse A, tu peux y passer des heures et des heures, voire toute la journée. Hein, je sais pas, mettons t'aimes la peinture, bah tu vas passer la journée entière à peindre et oh, t'as oublié l'heure de manger. Oh, t'as pas vu qu'il faisait nuit, il faut aller dormir. Mais t'as pas envie d'aller dormir, t'as envie de continuer à peindre. Réponse B, bah écoute, tu t'éclates, t'es à fond dans le truc, mais ça t'empêche pas de temps en temps de te poser pour regarder une petite vidéo sur Netflix, ou pour aller manger, ou faire un truc que tu kiffes, sortir avec des potes, et puis après t'y retournes. Mais dans tous les cas, t'as kiffé. Réponse C, tu t'éclates aussi, t'es à fond dedans, puis au fur et à mesure tu commences à être un peu moins à fond, alors tu démarres autre chose. T'attends pas de t'ennuyer, non, juste vraiment, bah à ce moment-là tu t'éclates, et puis quand tu sens que la pression baisse un peu, bah tu démarres autre chose, quoi. Au début, t'es dans le flow, puis quand tu sens que tu l'es plus, bah on va chercher le flow ailleurs. Et réponse D, tu t'ennuies super vite. Aussi, tu t'éclates, mais à la différence des réponses B et C, tu t'éclates, mais ça dure 2 secondes. Et le fait de t'ennuyer, ça te saoule tellement que tu vas vite chercher autre chose à faire. Et puis une fois que t'auras trouvé autre chose à faire qui va t'éclater, tu vas de nouveau t'ennuyer au bout de 2 secondes pour encore chercher autre chose à faire. Je vous fais un essaim ou... Question numéro 3. Quelle est ta couleur préférée? Réponse A, le rouge. Parce que le rouge, c'est la couleur de l'action. Et t'es à fond. C'est la couleur du feu, c'est la couleur du sang. Et toi, dans les séries Netflix, t'aimes bien les situations un peu sanglantes, tu vois. Donc ouais, le rouge, un point c'est tout. Même si en soi mes arguments étaient nuls, ça reste le rouge. Réponse B, le bleu et le orange. Parce que bah, c'est des couleurs qui vont bien ensemble, elles se complètent bien. Réponse C, tu aimes bien le vert sapin. Parce que bah, c'est la couleur de la nature, c'est la couleur des arbres. Le jaune citron, parce que c'est une couleur qui est super fraîche et ça te donne soif. Ou encore le roux, parce que c'est la couleur des cheveux de ta meilleure amie. Ou aussi le blanc un peu crème, un peu cassé, parce que c'est la couleur des narcisses et t'adores cette fleur, ça sent trop bon. Ça fait beaucoup de couleurs tout ça, enfin de nuances de couleurs si on peut dire. Réponse D, toutes les couleurs, sans exception. Toutes, j'ai dit. Question numéro 4. Tu cherches du travail et pour en trouver, tu as déposé ton CV dans plein d'entreprises autour de chez toi. Et quel miracle, tu es pris dans une dizaine d'entre elles. C'est beaucoup, hein? Ta réaction quand tu l'apprends. Réponse A. Oh, c'est chic! Il y a exactement celle que je voulais là-dedans. Réponse B. T'hésites entre la numéro 3 et puis la numéro 7 parce que, bah écoute, t'avais un bon feeling au moment de l'entretien et dans l'entreprise, alors, bah t'hésites, quoi. Réponse C. Tu choisis l'entreprise qui te propose le poste qui regroupe tous les centres d'intérêt que tu as, enfin un maximum de centres d'intérêt et un maximum de compétences que tu as. Malin, n'est-ce pas? Réponse D. Oh, mais mon Dieu, mais comment je vais choisir? Question numéro 5. Comment c'est chez toi? Réponse A. C'est hyper bien rangé. Et bah de toute manière, pour cause, t'as pas grand-chose chez toi.
Tu serais pas un peu minimaliste sur les bords? Moi, je pense que tu l'es beaucoup. Après, chacun son point de vue. En tout cas, ça doit être hyper pratique, parce que bah, comme t'as pas grand-chose, bah, tu peux ranger facilement. Réponse B. Ah, t'aimes bien avoir des objets chez toi, mais comme on dit, chaque chose a sa place. Alors, ça reste bien rangé, même si tu as beaucoup de choses. Réponse C. C'est un bazar, mais organisé. C'est-à-dire que personne ne comprend comment tu fais pour t'y retrouver. Toi, tu sais où sont les choses. C'est juste que c'est le bazar et que ça déborde un peu. Mais toi, tu sais où sont les choses. Et réponse D, c'est un capharnaüm. C'est le bazar total. Je comprends mieux pourquoi tu passes autant de temps dehors. C'est juste que t'es incapable de ranger et que c'est totalement le bordel chez toi. Si on ouvre une armoire, ça tombe. Dernière question. Quand tu étais plus petit, à la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ?» Qu'est-ce que tu répondais ? Réponse A. Médecin, ou policier, ou journaliste. Parce que déjà ça fait classe, et parce que mon papa il dit que c'est un métier qui est bien payé. Réponse B. Boulanger, ou esthéticienne. Enfin en tout cas, avoir ma petite boutique à moi et mettre ce que je veux dedans. Réponse C. Un mannequin, chanteur, esquimau, marin, acteur de dessin animé. Comment ça, c'est pas possible? Et réponse D, tu étais juste incapable de répondre à cette question. Je fais une petite pause le temps que tu puisses noter toutes tes réponses à toutes tes questions. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo si jamais tu as loupé quelque chose ou à remettre la vidéo depuis le début si jamais tu as loupé quelque chose encore une fois. Je te laisse faire, en attendant, moi je bois un coup. Voyons dès à présent les résultats. Si tu as un maximum de A, a priori, tu n'es pas un multipotentiel, mais plutôt un monopotentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es plutôt du genre à faire une chose à la fois, t'es monotâche en quelque sorte, tu sais très précisément ce que tu veux, et quand t'es conforté par ton entourage dans ce que tu veux, et ben là franchement, bingo! Juste tu fais des super études, mais alors vraiment le truc, un doctorat en je sais pas quoi, tu deviens un expert en ton domaine, c'est pas génial? Et socialement, j'ai envie de dire, en Occident, c'est ce qui est le plus accepté, donc franchement, bingo! Ensuite, si tu as un maximum de B, tu es un multipotentiel binaire. Souvent, tu hésites entre deux ou trois choix en général, mais finalement tu sais choisir sans trop de difficultés. Tu as de super capacités d'adaptation et tu sais faire des concessions. Et ça franchement c'est pas donné à tout le monde. Tu es une personne hyper diplomate. Franchement, bravo à toi. Si tu as un maximum de C, alors là y a pas photo, t'es une personne multipotentielle comme on l'entend d'habitude. T'es quelqu'un de super créatif, d'hyper imaginatif et surtout tu vois les choses différemment des autres. Là où la conception des gens s'arrête au fait d'être expert en un domaine ou est branché plutôt dualité, corps-esprit ou noir-blanc, etc. Toi, tu vois les choses d'une traite, tu vois les choses en entier, et c'est ce qui fait ta singularité et ta particularité. Là où les gens voient que le noir et le blanc, toi tu vois le yin et le yang ensemble. Non pas que tu saches pas démêler le vrai du faux, mais tu vois le faux dans le vrai et le vrai dans le faux. Et au fond, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'entier. En parlant de multipotentialité, il est fort probable que je ne t'apprenne rien du tout, et il est possible que tu saches déjà... J'ai réussi enfin à le prononcer, c'était dur. Il est fort probable que tu saches déjà ce que ça veut dire. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu es quelqu'un de très curieux et que tout ce qui touche à ce sujet t'intéresse. Du coup, écoute, abonne-toi à la chaîne. Qu'est-ce que tu attends? Enfin, si tu as un maximum de D, tu es un multipotentiel frustré. Au fond, tu ressembles au multipotentiel du type C, mais il y a juste une différence. C'est que toi, tu as eu beaucoup de mal à accepter ça en toi et tu as encore beaucoup de mal à l'accepter aujourd'hui. Tu te sens bridé par ton entourage. Et tu te juges toi-même. Toute ta vie, on t'a dit que de toute manière, on pouvait pas faire deux choses à la fois, que c'était juste pas possible et que t'étais obligé de choisir. Et on t'a tellement bridé comme ça que juste t'arrives même plus à t'exprimer. Comme c'est triste. Ta multipotentialité, elle est en toi, mais tu te sens complètement dépassé par elle. Ça déborde. Tu as tendance à te sentir impuissant face à elle et t'as du mal à prendre des décisions. À ce moment-là, j'ai envie de te dire, je pense que tu es né à la bonne époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il suffit de regarder YouTube, c'est truffé de vidéos sur la multipotentialité. Ça intéresse de plus en plus les gens et il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent dans ce trait. Je pense que c'est juste bon pour toi parce que de cette manière-là, t'as plus à te sentir isolé parce que tu verras qu'il y a des tas de gens qui sont comme toi et qui ressentent la même chose que toi et qui ont peut-être ressenti ça pendant des années et juste qu'on réussit à grandir avec ça. Et si mes vidéos et les vidéos de mes, je vais les appeler collègues, youtubeurs, qui parlent de ce sujet-là peuvent t'aider, franchement, on a réussi notre job, quoi. Donc très sincèrement, ne perds pas courage, garde espoir,
Et je sais qu'un jour tu pourras te réaliser dans cette multipotentialité. Cette petite vidéo est à présent terminée. Franchement, j'espère que le concept t'a plu. Moi, je me suis éclatée. Répondre à des tests, j'adore ça. Et faire des tests, bah écoute, on va dire que j'adore ça aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos avec ce concept-là. Histoire que j'invente pas des tests pour rien, ce serait dommage. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire quel résultat tu as eu. Ça m'intéresse personnellement. Si ça se trouve, il y a beaucoup plus de A que ce que je ne pense. Je suis curieuse de voir tout ça. Aussi, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je te laisse juste ici mon Instagram @meetboxworld et mon Facebook @albancanerplastique. J'ai tourné cette séquence 3 fois avant de réussir à la prononcer correctement. À chaque fois, c'est un enfer. Donc s'il te plaît, va me suivre au moins pour ça. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Le lien est juste en barre d'infos, donc je te laisse aller t'abonner, vas-y. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.